Après un dernier match difficile, et on se retrouve aujourd'hui pour y affronter les Sénateurs qui ont faim, vous voyez, EA Sports a mis à jour leur nouveau chandail, donc ça c'est assez cool. Dans tous les cas, on se retrouve pour y affronter les Sénateurs d'Ottawa, alors qu'on est premier au Trophée Calder, je vous rappelle, dans la course du Trophée Calder, hein, c'est ce que notre entraîneur nous a mentionné, on a un défi également des médias. Mais bref, on avance de plus en plus, et là on va affronter justement une équipe qui, avec des joueurs qui se battent contre moi pour le Trophée Calder. Je vous souhaite la bienvenue, bien entendu, à ce nouvel épisode de notre Let's Play sur NHL 21 dans le mode Be a Pro, toujours en tant que ailier des Rangers de New York, et d'ailleurs on est dans le 1 pointeur, 25 points, je crois, ou 26 points en 23 matchs. C'est quand même bien, on était au Madison Square Garden aujourd'hui, 9-14-1, c'est contre 8-14-1, donc des quand même des équipes qui se ressemblent au niveau de la fiche par équipe. On a deux défaites consécutives de notre côté, donc face aux Flyers et face aux Capitals. Je vous rappelle, les Capitals, l'entraîneur nous avait malheureusement mis un peu de côté. On avait joué 8 minutes seulement, et le but, on commence très très bien en permettant une belle passe. Mika Zibanejad qui marque face à son ancienne équipe, hein, parce que c'est un joueur des Sénateurs. Avant, Zibanejad qui marque donc son 8e de la saison. Et du même coup, Côté obtient un point dans cette rencontre. C'est déjà 1-0 pour les Rangers, c'est déjà mieux commencé, mais est-ce que ça va se poursuivre ainsi? Ça, c'est autre chose. Là. Et là, Côté qui est là, la passe derrière Zibanejad, belle arrête, d'accord. Je sais même pas si c'est qui, d'accord. Zetsev. L'ancien de l'Avalanche du Colorado, là. Il est beau le chandail comme ça des Sénateurs. Enfin, je suis bien content qu'ils aient été mis à jour là, les chandails, là. Je sais pas s'ils ont mis les reverse rétro, je pense pas. Hein. Peut-être que les Rangers, comme on a vu dans l'inscription, ont perdu les deux derniers matchs. Là, je rentre dans mon propre collègue, c'est fantastique. Belle arrête, d'accord. Et on avait une occasion de marquer, mais on est une autre occasion de se battre. Mais en fait, on était en plein territoire adverse. Donc, clairement, c'était pas le bon moment de se battre, ni d'enclencher ni un combat. Le Sénateur qui attaque là. Oh, le poteau sur le retour. C'est toujours Chesterkin, hein, qui est là. C'est lui qui est le plus souvent là dans nos... C'est pas ça lui, non? Allez, on fait des petites passes rapidement, là. Il y a 2 minutes pour un joueur des Sénateurs face à Artemi Panarin. C'est Brown. 2 minutes pour en fait trébucher face à Panarin. Alors que l'entraîneur devrait nous faire jouer en supériorité numérique, on va voir. Voilà quel cas. J'ai réussi à tirer, mais je me suis fait ramasser en retour là. Alexis Lafrenière, 27 points, 7 buts, 20 passes, numéro 1 de l'équipe au point. Ouais, il est vraiment beau chandail des Sénateurs. Alors dites-moi, en parlant de chandail et d'uniforme, quel est votre chandail Reverse rétro préféré? Moi, c'est sans aucun doute l'Avalanche. Pour ceux qui chialent, moi je trouve qu'il n'y a pas de raison de chialer, dans le sens que c'est normal que l'Avalanche rende hommage aux Nordiques, parce que l'Avalanche avant c'était les Nordiques. Donc à un moment donné, il faut arrêter de chigner, et je trouve que c'est un très très bel hommage. Le chandail est très 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 joli, il est extrêmement beau. Au niveau du Canadien, c'est classique, tout en bleu, mais c'est pour moi ça donne un très très bel effet. J'ai bien hâte de voir le CH jouer avec ce chandail là, dans un avenir approché. Là, ben, on touche le poteau de notre côté là. D'accord, une drôle de passe là qu'on a tenté. La supériorité numérique des Rangers est terminée, on est de retour à 5 contre 5. Et là, on lance la contre-attaque, là, Côté était bien placé, regardez-moi ça. Et le but! Le capitaine Kreider qui marque sur une passe de Côté. Côté qui obtient son 2e point du match. 4e de la saison pour Kreider, et c'est 2-0 pour les Rangers. Alors que Craig Smith va marquer.
On est toujours en première période, on est au milieu de cette première période. Et Tom Beaulieu à nous de notre côté, deux tirs bloqués. Le côté qui on repart avec la rondelle. Ah oui, Panarin qui a failli s'échapper, malheureusement ça a été récupéré par les Sénateurs là. The Rangers move the puck in the defensive zone. And now he moves it quickly to Tanev. On the left side, he côté qui reprend là. Ah, qui a failli faire une belle passe une nouvelle fois là. On sait que c'est même si on réussit à marquer de temps en temps des buts, notre on est vraiment bon dans les passes cette saison. C'est là qu'on est le meilleur. Quick feed to Goodrow. Takes that pass back at the point. On va profiter pour faire le changement là. Parce que là, on avait pas mal de puissance contre nous. 1 minute 20 à faire en première. C'est 3-0 toujours pour les Rangers. Oh, Thomas Chabot qui se fait ramasser. Ah, une pénalité d'ailleurs pour les Rangers à ce niveau. Et voilà, l'arbitre qui siffle, ce sera un des coéquipiers qui sera chassé. C'est Zibanejad, 2 minutes pour assaut. Et après la première période, les Rangers mènent tout de même 3-0 face aux Sénateurs qui devront se ressaisir s'ils veulent avoir une chance de remporter cette rencontre face à New York. Alors on est au milieu de la deuxième à peu près, on va revenir sur la glace. Josh Norris qui est là, là. Il y a un entraîneur qui veut nous motiver un petit peu. Il va nous demander de garder cet avantage, effectivement, parce que mener 3-0, ce serait dommage de ne pas réussir à garder l'avantage. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de buts. Je vous rappelle, seulement 5 buts cette saison, mais beaucoup de passes. C'est vraiment dans les passes qu'on est meilleur. Et vous voyez qu'on est peut-être pas un superstar, donc nos stats sont excellents, mais en même temps on est un tout premier choix, donc c'est logique aussi qu'on ait des bonnes stats. Imaginez qu'on est un joueur si bon que Alexis Lafrenière, bah, c'est normal qu'on ait autant de points quoi. Alors, jeu. Donc pour moi, ça me gêne pas trop pour le moment, mais comme je vous dis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On passera peut-être en superstar en étant étoile. Le superstar étant la difficulté la plus difficile, on peut pas aller plus loin après. Lafrenière qui a moins 2 ce soir. Elle est souvent avec Côté. Côté qui a réussi à amener 2 passes pour ses coéquipiers là. Côté qui voulait passer à Zibanejad, malheureusement c'est intercepté par Perry. Ah, c'est Tierney, toutes mes excuses. On passe rapidement là. À côté qui perd la rondelle, mais c'est quand même récupéré par Panarin qui a failli déjouer. Oh oui, le but! Très beau jeu entre Côté Panarin et Zibanejad qui permet à Zibanejad donc d'inscrire son deuxième but du match. Et c'est son 7e de la saison. Côté obtient une passe également là-dessus. C'est 4-0. 3 points pour Côté dans cette rencontre. Et là, les Rangers seront en supériorité numérique pour cette fin de deuxième période. Ouais, il m'a passé la rondelle un peu. Ça a été proche là. La petite déviation, le retour, le poteau. Ah oui, l'arrêt de Hogberg. Alors, c'est plus d'accord qui est dans le filet. On a, du côté des Sénateurs, on a décidé de changer. C'est Hogberg qui est là. En même temps, les Rangers mènent 4-0. Et là, ce sera plus que difficile pour les Sénateurs de revenir de l'arrière. C'est faisable encore. Hein. Tout est possible. Le beau tir, bel arrêt de Hogberg. Alors que la pénalité est terminée.
Thomas Chabot qui subit une lourde mise en échec de côté là. Un tir juste à côté, malheureusement. Un tir, le retour récupéré par Colin White. White qui perd la relève face aux Rangers. Là, les Rangers qui réussissent à rester là, quoi. Et Brent Stone qui a réussi à récupérer. On va faire des petits changements du côté des Rangers pour cette fin de deuxième. On joue très très bien du côté de l'équipe new-yorkaise. Il aurait fallu faire ça lors du match des Capitals, mais bon. Et après 40 minutes de jeu, les Rangers mènent 4 à 0 face aux Sénateurs. Et devraient mettre fin à cette séquence de deux défaites consécutives qu'on a vues dernièrement. Oh oui, Côté qui s'échappe. Le tir, la rondelle qui est toujours devant là. Bel arrêt d'Hudberg sur l'échappée de Côté. Bel arrêt Chesterkin qui gardera cette rondelle. Et Brady Tkachuk bien entendu qui met un petit peu de pression sur notre gardien. Mais on voit ici de notre côté à bien le garder en marche. Allez, c'est parti. Came out with jump and they have been non-stop right from the start leading 4-0. Passed up ahead. Allez, Côté qui perd la rondelle face à Chabot là. Moves it around along the half wall. Keeps hold of the puck. Sterney qui rate son tir heureusement parce qu'on l'avait laissé. Il y aura super atténuée pour les Rangers. Hein. On a malheureusement fait trébucher du côté de Brady Tkachuk qui obtiendra une pénalité. 45 secondes à cette pénalité, 13 minutes à faire en troisième. Et on est présent, nous, sur la deuxième unité de la super atomique avec Scheidel et Chris Kreider. 0-3 ce soir, 6 tirs tout de même pour les Rangers, là, c'est pas rien. Heureusement, on n'a pas été capable de marquer avec l'avantage d'un homme. Shusterkin qui fait l'arrêt, là. On perd la rondelle, très mauvaise perte de rondelle, mais là, Côté qui se ramène. Et Hudberg qui fait l'arrêt. Très mauvais jeu défensif, très mauvaise transition de la part des Sénateurs d'Ottawa qui ont eu chaud là. Clairement, ils ont eu chaud. 19 mises en jeu, 10 contre 18. C'est maintenant 19 contre 19. C'est extrêmement serré entre ces deux équipes. Et malgré la mise en jeu importée, bah, les Rangers qui devront subir une attaque de la part des Sénateurs. Et on a fait une très très bonne mise en échec de notre côté. Chesterkin a quand même dû arrêter cette rondelle et ne pas donner de retour. C'est la mise en jeu remportée par les Sénateurs d'Ottawa. C'est récupéré par Thomas Ryder qui passe derrière à Chabot. Chabot qui s'avance. Chabot qui se fait mettre en échec dans le coin mais garde la rondelle. Et Ryder qui se fait mettre en échec par côté et de ce côté. Et Brent Storm réussit à empêcher la rondelle d'entrer. Et là, la pénalité des Sénateurs est terminée alors qu'il reste 12 minutes 27 à faire en troisième et que les Rangers mènent toujours par la marque de 4 à 0. On est officiellement au milieu de cette troisième et dernière période du temps régulier de ce match. Les Rangers qui devraient mettre fin donc à une séquence de deux défaites consécutives. Oh, le poteau! C'est un très beau jeu encore entre Panarin et Zibanejad des côtés. Et malheureusement, on n'a pas été capable d'en profiter jusqu'à maintenant. Belle interception, mais une autre interception tout de suite. C'est Bulakovsky qui est là, l'arrêt de Chesterkin. Qui ne donnera pas de retour avec la pression que les Sénateurs mettent devant. Les Rangers se rendront donc à Ottawa pour y affronter une nouvelle fois les Sénateurs avant de se rendre à Montréal pour y affronter le Canadien. Nathan Beaulieu, 5 tirs bloqués jusqu'à maintenant dans cette rencontre. Et là, Côté là, qui essaie de s'échapper pour une troisième fois dans cette rencontre et ne réussit pas. Lafrenière qui passe directement à Tourney. Tourney qui recule derrière, qui est à sa ligne bleue, qui passe devant Lafrenière à Butterson. Patterson s'avance, reprise à Zetsev, le tir, l'arrêt de Chesterkin, là, c'est repris du côté des Rangers. Jacob Trouba qui passe juste derrière lui, on a des changements à faire, on va en faire, c'est Brendan Saad qui est là.
Salle qui perd la rondelle, on l'a bien vu, hein, alors qu'on se rendra un petit peu plus loin dans cette troisième période, à 5 minutes 44 à faire. Les Rangers qui mettent 4 à 0, malheureusement, clairement, ça sent la victoire pour les Rangers. Et là, l'objectif est bien entendu de ne pas accorder aucun but. Les Sénateurs qui mènent au niveau du chapitre des mises en jeu. Et à côté qui tire et qui réussit à se faire bloquer la rondelle et à se le faire enlever, réussit à l'harponner, mais malheureusement, ça a été une nouvelle fois intercepté par Psyk. Là, Zibanejad qui perd la rondelle, malheureusement. Glenn Denning qui est là, qui se fait un petit peu bousculer par côté, mais réussit tout de même à dégager derrière Chesterkin. Zibanejad qui passe rapidement à Panarin. On voit Panarin et Côté qui sont d'un côté comme de l'autre de la glace. Les deux tentent de bloquer Psyk. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Et les Sénateurs contre-attaquent avec Gaudreau. Il passe à Lafrenière. Lafrenière qui est devant. Et Chesterkin donne la rondelle. Et vous voyez que Côté surveillait bien son compatriote québécois, Alexis Lafrenière. 1 minute 24 à faire en troisième période. On est près d'un blanchissage pour Chesterkin qui obtiendra donc son deuxième blanchissage de la saison. Et j'ai réussi à emmener cette rondelle proche de Hotberg. Il vient de toucher le poteau là. Et belle mise en échec de côté contre Ryder, Tobias Ryder et Glenn Denning qui reprend là. Glenn Denning qui tire l'arrêt de Chesterkin alors qu'il ne reste que 44 secondes. Lui espère bien réussir à obtenir ce blanchissage. Et espère que ses coéquipiers devant réussiront à bloquer les tirs ou du moins à sortir cette rondelle de notre territoire. Burakovsky, quel arrêt là de Chesterkin. Beaucoup, beaucoup de brasses camarades devant le filet de ce dernier. Alors qu'il ne reste que 38 secondes à faire pour obtenir son deuxième blanchissage de la saison. C'est qui tire, c'est raté. Et là, ben, on va pouvoir contre-attaquer. Là, vous voyez que Côté est là. Tente une petite feinte contre Brainstorm. Malheureusement, c'est intercepté alors qu'il ne reste que 28 secondes. Oh, le tir, ça a été limite là. Ça a été limite. Et 17 secondes. Le poteau là, ça a été proche là. On a été chanceux là du côté des Rangers. Et voilà, victoire de 4 à 0 les Rangers et du même coup blanchissage pour Chesterkin. J'imagine bien, voilà, qu'on aura tenu notre promesse envers de notre honneur, c'était de garder cette avance. Donc ça, c'est parfait, bien entendu. Je rappelle qu'on est toujours sur notre contrat recrue. Il faudra faire 3 saisons. Est-ce qu'on les fera vraiment au complet? Je ne sais pas, hein, parce que ça demande pas mal de temps, quoi. On verra comment va se débrouiller cette saison et si on est capable d'aller chercher le Coupe Stanley. Ça changera peut-être. Dans tous les cas, on va faire un deuxième match dans cette vidéo. Comme d'habitude, vous en avez l'habitude. Hein? Je me répète, plus 3, 3 points, 3 passes, 32 points cette saison jusqu'à maintenant pour Côté. On a connu un excellent match après avoir pratiquement été laissé de côté dans le dernier. On affronte une nouvelle fois les Sénateurs, mais cette fois-ci à Ottawa. Et là, bien entendu, on va voir si on a réussi. On a réussi, on a tenu notre promesse. C'est fantastique. C'est fantastique, on a donc obtenu des abonnés et des notes supplémentaires pour améliorer notre personnage. Ah, on a les entraînements, on a des heures d'entraînement disponibles. Alors, les passes, on va s'améliorer, il nous reste encore 3 heures. Le patinage intensif, il nous reste une heure au sprint. Voilà. Sprint pass et patinage intensif. Comme ça, on a mis en notre personnage qui est 76, 32 points en 25 matchs. Ça va, on se débrouille bien. Une nouvelle fois, ben, on affronte les Sénateurs d'Ottawa qui ont perdu contre nous. Donc, on pourra aller chercher. On pourra aller chercher une nouvelle victoire ici même. Je rappelle, 10-14-1 contre 8-16-1. Donc on pourrait infliger une nouvelle défaite là. Elle est vraiment beau le chandail des Sénateurs. Vraiment là, en noir comme ça fait classe. On est au Canadian Tire, au centre Canadian Tire, oui. Pas au Canadian Tire Center, même si ça se dit. Là. Trouba. Qui perd la rondelle, on récupère du côté des Rangers. On tire le retour, la rondelle qui dévie toujours, c'est Drake Batterson qui reprend.
se fait coller sur Panarin, le tir, le but! Quel fan d'Artemi Panarin qui marque et qui donne les devants très rapidement aux Rangers, comme dans le dernier match. C'est son cinquième de la saison. Peut-être avoir une passe là-dessus, je suis pas certain. On va voir. Oui, j'aurai une passe. Ah, cool ça. Et côté qui est là. Tente une passe devant, bien entendu, c'est intercepté. Il y avait quand même pas mal de trafic devant tout ça. Et un bon changement qui permet tout de même aux Rangers de contre-attaquer directement là. On approche du milieu de cette première période. Toujours 1-0, je vous rappelle, pour les Rangers. Les Rangers qui ont obtenu un blanchissage face aux Sénateurs. Et les Sens, eux, qui ont perdu leurs deux derniers matchs. Beau tir de Trouba, ça a été dévié sur plusieurs. Et Alexis Lafrenière qui reprend et qui va tenter. Il se fait plaquer, mais White réussit à récupérer. Et belle interception de la défense des Rangers, là. Je perds la rondelle face à Batterson. Très, très mauvaise perte de rondelle. Et là, j'ai pas réussi à plaquer White, qui a réussi à tirer. C'est Shesterkin qui est encore dans le filet. Je m'en doutais un peu, là. Il y avait un petit peu trop de gens devant moi, là. Et j'ai réussi à harponner White. Oh non, la rondelle qui est pas sortie de notre zone, là. Alors qu'il était tout près, Brent Storm qui a réussi à tirer. Malgré que j'étais penché devant lui, il a tiré juste à côté de mon genou. Malheureusement, j'ai tenté de lancer un peu plus loin et ça a été directement chez les spectateurs. 7 minutes 13 à faire en première. 4-5-1 dans les 10 derniers matchs pour les Rangers. Ouais, qui se fait plaquer quand même solidement là. Et là, Côté qui passe rapidement à Zibanejad. Côté qui passe à Zibanejad et ça se rend, et d'accord qui n'est pas d'accord. Arrêtez de faire ce jeu de mots dégueulasse. 28 points pour Lafrenière, bien entendu, toujours meneur au niveau des points. On en a 25. Ouais, c'est ce qu'on a vu, 25 ou 29, je sais plus. Back to the blue line. Blocked in traffic. Aaron pass and the play's broken up. The Senators take it along the wing. New York's got the puck inside the defensive zone. Quick feed to Sabinejad. Dished on over to. Et là, Côté va perdre la rondelle, mais réussit à aller chercher une supériorité numérique. Et les Sénateurs qui seront punis 2 minutes pour avoir fait trébucher Shiloh Kreider. Et Côté s'amène pour cette première avantage du match. C'est Machabat qui a réussi à dégager. Ah, j'ai tenté un tir contre Dakar, ça a été bloqué. Au moins, on a obtenu un tir alors qu'il reste qu'une minute 25 à faire avec l'avantage d'un homme pour les Rangers. Perdu la rondelle, c'est Krug qui reprend. Et c'est ça en jeu pour les Sénateurs, mauvaise communication entre les deux joueurs des Sens. On est toujours là, de notre côté. 6 mises en jeu contre 5 en faveur des Sénateurs. Maintenant, c'est l'égalité 6-6 parfaite au niveau des mises en jeu. La dernière partie, ça avait quand même été serré au niveau des mises en jeu. Là. Et là, Côté qui est là, qui voit son coéquipier de l'autre côté, mais son coéquipier qui a traversé là, un tir dégueulasse de la part de Côté. Dernière minute à cet avantage numérique, oui. Ah, le tir juste à côté. On va essayer des tirs là du côté. Malheureusement, j'ai pas réussi à bloquer. Entraîneur qui demande pas de changement là.
On passe derrière. On met un peu de pression devant la corde, mais ce dernier fait l'arrêt et n'accordera pas de retour. Nous, de notre côté, on sera bon pour cet avantage numérique. Alors qu'on a réussi les tirs, mais malheureusement, les Rangers n'ont pas réussi à marquer. 3 minutes 49 à faire en première. On est de retour sur la glace avec Zibanejad et Panarin. Toujours 1-0 pour les Rangers. Oh, le tir juste à côté de Dakar. On continue de mettre un peu de pression et les joueurs des Sénateurs qui ne sont pas nécessairement d'accord. On devrait plus rejoindre du fin de la première. Voilà qui est confirmé. Après 20 minutes de jeu, les Rangers mènent 1-0 face aux Sénateurs. Je vous rappelle qu'on a gagné le match face aux Sens 4-0 tout à l'heure. Et que jusqu'à maintenant, on a réussi à empêcher la première d'obtenir des points. Et même aux Sénateurs de marquer des buts. Ils n'ont toujours pas marqué de but en 4 périodes face aux Rangers. Là. Et c'est bloqué là et récupéré rapidement par, par Panarin. Non, une passe directement à Lafrenière là. Ok, je visais D'Angelo. Très bon jeu les Sénateurs qui réussissent enfin à marquer face aux Rangers et de créer l'égalité. Colin White qui marque face à Chesterkin. Quelle égalité là. On l'a mené donc au milieu de cette deuxième période alors que ça a pris un peu de temps avant qu'on joue parce que Zibanejad a obtenu une pénalité pour avoir fait trébucher. Isaac qui a trois tirs bloqués. Allez, on passe rapidement à Zibanejad qui repasse à côté. Malheureusement, Panarin avait son patin déjà dans la zone des Sénateurs et ça crée donc une situation d'enjeu. Kruger. Il y a une pénalité là pour les Sénateurs. On a malheureusement pas réussi à tirer, mais il y aura tout de même une supériorité numérique pour les Rangers qui n'ont pas réussi à marquer lors de leur dernière occasion. Mais ils ont quand même obtenu 3 tirs. 4 maintenant. Des mises en jeu très importantes quand tu es en supériorité numérique avec l'avantage d'un homme et que tu te retrouves directement à côté du filet adverse. Tire l'arrêt. Essayer de prendre le retour, malheureusement, la rondelle est atterrée directement sur moi là, après le tir de mon collègue. On n'a pas vu Nozek qui a réussi à me surprendre là. Je ne veux pas qu'il vienne me plaquer quoi. Et là, les Rangers qui ne réussissent plus à créer une attaque. Là. Et l'arrêt de Dakar. Là. Côté qui est là, passe de l'autre côté malheureusement, et là un tir un petit peu rapide là, qui revole directement son patin, j'ai rien pu faire.
Là, on joue très rapidement du côté des Rangers parce que clairement, on est en la fin du. La fin de cet avantage numérique, voilà, qui termine en 15 secondes exactement. On n'a toujours pas réussi à marquer. Et je me fais enlever la rondelle en défense. Et ce sera la fin pour ma présence en supériorité numérique. On va aller se reposer un peu au banc. On n'aura pas réussi à marquer une nouvelle fois avec cet avantage numérique, c'est dommage. 5 minutes 37 lorsqu'on est de retour sur la glace en deuxième. Vraiment dangereux là, entre guillemets. Le poteau là des Sénateurs. À côté qui est là, qui passe de l'autre côté. Et c'est le but. Nick Cousins qui marque. On avait réussi des beaux buts avec Cousins là dans les matchs pré-saison, je vous rappelle. Ou même début de saison quand on a joué un petit peu. Mine de rien, il marque déjà son sixième de la saison pour un joueur qui joue sur le 3-4ème trio. Qui est loin d'être mauvais. Bref, les Rangers qui reprennent les devants et côté qui obtient une deuxième passe dans cette rencontre. Zibanejad qui joue très bien contre Zetsev, mais Drake Batterson a réussi à récupérer. Et malheureusement, je suis rentré avant la rondelle. New York's up for good reason. They have been the more complete team offensively, which is why they lead late in the second. Ottawa's got a hold of the puck off the draw. Shabbat's got it against the boards. Takes a shot. Oh, just wide. I thought he had that one, James. Sends the pass over. The Rangers move to the offensive. Et on dégage derrière le filet. Loose puck battle along the board. Au final, ça a failli fonctionner là. Faire un petit changement, c'est ce qui est demandé. Je pense pas qu'on va rejouer de la deuxième. Je reste très surpris. Voilà, on ne rejoue pas alors qu'on se rend en infériorité numérique en plus. Après 40 minutes de jeu, les Rangers mènent 2-1 face aux Sénateurs. Qui tenteront d'inscrire une troisième victoire consécutive. Une deuxième victoire consécutive, je veux dire. Allez, on est autour de 7 minutes 39 lorsque la pénalité pour les Rangers est terminée. Heureusement, les Sénateurs n'ont pas réussi à marquer. Et la rondelle qui est toujours là, c'est Zibanejad qui a tenté. Belle pression récupérée par côté Zibanejad, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et là, Brainstorm qui peut tirer. Heureusement, c'est bloqué en défense. Les Sénateurs qui réussissent à faire des beaux tirs sur Shesterkin, mais ce dernier résiste là. Voilà, j'essaie de bloquer un peu les joueurs des Sénateurs et ça fonctionne au final. Oh! Et c'est raté. Bonne mise en échec de côté contre Psychic. Malheureusement, c'est intercepté. Et voilà, bel harponnage là de côté une nouvelle fois qui permet de faire les changements en toute sécurité. Malgré que les Sénateurs ont bel et bien réussi à attaquer de nouveau. 9 minutes 46, on a passé le milieu de cette troisième période et on mène toujours 2-1. La stratégie gagnante, vous voyez qu'on aura de l'XP supplémentaire si on réussit à remporter le match. Zibanejad qui tire à côté malheureusement. Là. Belle interception là. Timmy Panarin tente de passer Zibanejad, c'est intercepté malheureusement. Allez, on fait une petite passe devant. Panarin qui reprend, il y aura des changements de toute manière. Reste 4 minutes, on mène toujours par un petit but. Quick feed to Tierney.
On va essayer de récupérer cette rondelle là. Passe rapidement derrière. Beau jeu là. Et Panarin qui reprend. D'accord, qui garde la rondelle. Il ne donnera pas le retour alors qu'il reste 3 minutes. Les Sénateurs affronteront les Sharks avant d'affronter un double match comme ils viennent de le faire contre les Rangers, mais cette fois-ci contre le Canadien de Montréal. Et voilà, victoire des Rangers 2-1 qui réussissent à marquer ce match. Shesterkin qui a quand même réussi 18 arrêts et n'a accordé qu'un seul but, ce qui est loin d'être mauvais, on ne se le cachera pas. Une très très belle victoire de notre côté, et pour nous, ben on finit quand même avec 2 points supplémentaires grâce à 2 passes. On se retrouve donc avec 34 points et on continue à bien se diriger. On a débloqué des nouvelles compétences, donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Maître passeur. Main 2, il passe. Ouais, ça on va faire ça là. Parce que clairement on est bon dans les passes, donc aussi bien monter jusqu'aux passes. On se le cachera pas. Dans tous les cas, on va sauvegarder ici parce qu'on va se laisser autant pour le live que pour cet épisode de Let's Play sur le BA Pro de NHL 21. J'espère que vous avez apprécié. On est maintenant 77 de général avec 34 points en 26 matchs. Dites-moi si vous voulez qu'on se passe en mode étoile, oui. Et on pourra passer en mode étoile. Merci dans tous les cas d'avoir été là. Et moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous l'êtes déjà, pensez à follow la chaîne Twitch. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et ça permet de me soutenir. Merci. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.